Et y'a tout le monde, c'est Fuo Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les travaux et réhabilitation, épisode je sais pas combien. Alors il fait nuit, c'est normal. Donc d'abord, règle info, je sais pas si vous l'avez montré. Avec comme vous pouvez le voir, staff, du petit Fuo, créateur et propriétaire. Rémi 73 qui était buildeur. Pour l'instant j'ai mis que ça, ce sera remis à jour. Rémi est plus buildeur parce que voilà. Ensuite, partenaire Romeland par Romain. Main Disney par le portugais, Sword Grand by alors Mimic et Fuo Gaming. Ce projet a été abandonné, du coup j'enlève. Yacine Land par Yacine, Kaio Land par Kaiovan et Astérix World par Mimic 45. Ne pas aller dans les décors, vous n'avez pas le droit, c'est normal. Donc il fait nuit tout simplement parce qu'en fait on va vite. Allez, vous allez vite remarquer. C'est fermé la nuit, le parc, grâce à un espèce de petit système de redstone, ça se ferme automatiquement, donc sauf pour les événements genre Halloween et tout ça, je trouve un système pour que ça reste ouvert. Vous voyez, c'est fermé. Et là, attention, si je mets le jour. Voilà, voilà. Donc là, on avance vers les guichets, maintenant, petite nouveauté, on avance comme ceci, tant qu'on obtient un plan du parc. Ensuite, on va aller juste ici au... Pirate Adventure qui est rentré en rénovation il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez voir le système de port maintenant à la sortie, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a beaucoup de trucs à montrer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de travaux de réhabilitation. J'ai failli fermer le serveur pendant un petit moment pour pouvoir faire des modifications. Déjà vous voyez l'attraction là, c'est de la pierre. Autour et puis vous allez voir la suite, hop là, c'est beaucoup plus décoré et tout avec des trucs pour évacuer et tout ça. Vous voyez, donc là ça change pas trop au début. Là en haut c'est décoré avec des portes et tout pour faire plus beau. Là hop, on atterrit, chac, le flash, vous voyez, il s'est séparé. Voilà là, des bateaux et tout. Et voilà. Donc je vais juste vous montrer, et ça normalement j'ai pas le droit. Je vais vous montrer les backstage vite fait. Donc là, vous voyez, c'est pour évacuer et tout. Vous allez voir, on a ou une évacuation par ici, si jamais on passe juste à la sortie. Ou alors, on peut passer carrément par là. Pour évacuer juste ici, si jamais l'attraction tombe en panne. Donc ces portes sont pas que du décor, en fait. Donc on va sortir par sortie. On a 3 minutes déjà de vidéo. Pas grave, ce sera plus long que d'habitude. Ensuite, hop, je vais accélérer et tout. Donc ça, c'était rentré en rénovation, mais vous l'avez déjà vu, il me semble. Jurassic Park, si c'est pas le cas, ben dites que moi, je vous ferai une vidéo pour vous présenter le truc. Ici, on a une nouvelle attraction que je crois pas que j'avais présentée. Si je vous... qu'il y a une, je vous le dirai après, qui va s'inspirer un petit peu du du Blue Fire qui a Europa Park, parce qu'en fait ça va près de des parkings. Jouer une attraction qui est près des parkings comme ça. Le test qui est assez bien géré, je trouve. L'attraction qui est assez longue et c'est assez bien le fait qu'elle soit longue car on peut bien en profiter. Ici hop, le flash, mais on l'a pas trop bien vu, et là hop, on sort et on est automatiquement exclu du minecart. Le Blacky Coaster, hop là. Ensuite on va aller du côté du DC Comics Zone. Donc ici vous avez la grande roue qui a changé de place, comme vous pouvez le voir. Ici vous avez un petit truc Halloween à visiter et tout, où il y aura des animations pendant la période d'Halloween. Voilà, une petite ferme abandonnée avec ici, vous voyez, un épouvantail assez stylé.
Donc on entre dans la DC Comics Zone, on roule ensuite, hop là. Merde, c'est pas par là. Ensuite on ressort de la DC Comics Zone par là, vous voyez. Et on arrive dans une nouvelle zone. Donc ici c'est inspiré un petit peu d'Osiris, mais vite fait parce que le tracé, la couleur n'est pas du tout pareil. On a la fureur rouge. Alors c'est inspiré d'Osiris pour, vous voyez, le petit système comme ceci, ça passe sous un petit lac et tout. Alors voilà, donc je vous épargne la file d'attente. Pourquoi il n'y a pas de minecart? Ça me permet de voir quelques petits problèmes. Alors là, je tourne vers ici pour pas montrer, il y a une autre attraction. Vous savez voir juste après. Ok, alors le minecart il était là, j'ai pas vu. Donc, ensuite vous ressortez par ici normalement. Mais juste avant de sortir, je vais vous amener en backstage pour vous montrer les petits backstage assez stylés qu'on a fait. Donc ici, on a une porte backstage qui est juste ici. Donc ici, on a pour lancer des feux d'artifice et tout qu'il y a dans le bac. Et ici, on a pour arrêter en urgence le minecart, enfin l'attraction. En fait, ça désactive des rails qui est au niveau du lift au début et tac, ça, on peut plus avancer. Et donc l'attraction que je vous cache, c'est juste ici. Que je vous cache, c'est juste ici. Ça s'appelle Disco Mine, inspiré du Disco Big X. Mais inspiré vite fait, franchement, parce que c'est pas du tout pareil. Donc le Disco Man en temps normal, vous pouvez avoir un gars qui active ici les rails. Alors c'est un système d'inverseur en fait. Du coup dès que la lumière est allumée, ça veut dire que le truc est éteint, mais on va activer les rails, vous allez voir. Et si je dis tac, si j'ai la lumière est éteinte, les rails sont allumés ici et hop, il faut faire un petit truc comme ça. Alors c'est inspiré Disco Biz, mais vraiment vite fait parce que c'est pas du tout le même style d'attraction, ça fait juste ça, vous voyez. Voilà, on peut faire genre un nombre de tours X, un dernier tour là, plus c'est ça. Donc évidemment après, donc évidemment il faut appeler Lot pour cette attraction. Il faut appeler Lot de la partie pour cette attraction. Ah merde. Faire plusieurs tours, hop là, ensuite on sort par là et c'est tout pour le moment. Donc je fais une petite dédicace à Vincent qui était en seconde avec moi, vu que là c'est la fin de l'année, le conseil et tout est passé. Et je tiens à dire, j'avais une excellente classe cette année. Du coup, ben on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez. On va se retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez. Je sauvegarde et après je vous dis ciao. Ciao tout le monde, c'était Fifou Gaming. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir un vrai Fifou. Et liker la vidéo. Allez, ciao ciao.